نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله. نكمل الإسبيكاسيون concernant القرآن. Semaine passée, cours un petit peu, compte les livres du Coran. Le Coran est un livre qui est divisé en plusieurs sourates. Et chaque sourate est divisée par un nombre d'ayats. Et aussi, je cause un petit peu al-muqatta'at. Une sourate qui commence par une lettre détachée. C'est un qui rappelle sa petite phrase arabe là qui rassemblait toute sa manette là. Sulhu suhayra man qata'ak. Sulhu suhayra man qata'ak. Ok, ça c'est qui me l'expliquait. Ça va passer un petit peu en détail, je vais expliquer. Aujourd'hui, nous vous causons un petit peu révélation Coran. Et ensuite, semaine prochaine, nous vous causons un petit peu la compilation Coran. Si nous pouvons terminer aujourd'hui avec révélation Coran. Premièrement, Coran finit révélé pendant Laylatul Qadr, une nuit dans Ramadan. Alors, dans Coran, Allah subhanahu wa ta'ala finit faire mention. Coran finit descendre dans Ramadan. Et il vient faire mention Coran finit descendre dans la nuit bénie. Il fait mention Coran finit descendre dans Laylatul Qadr. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dit « Chahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Moi, Ramadan, c'est ça même moi, pendant lequel Coran t'y est révélé. Coran t'y est révélé « Hudal linnas » comme un guide pour ban djimoun. Alors, ça c'est une première information. Coran finit descendre dans Ramadan. Et le place de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka » Certainement, nous finissons descendre le Coran pendant une nuit bénie. Pendant une nuit bénie. Inna kunna mundirin. Certainement, nous avertissons contre quelque chose qui représente un danger pour eux. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Cette nuit-là, chaque quelque chose sage et être décidé, c'est-à-dire la ta'ala, il prend une décision pendant sa nuit-là. Le Coran finit descendre Ramadan. Coran finit descendre pendant une nuit bénie. Pendant une nuit bénie. Qui est cette nuit-là? Ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certainement, nous finit descendre Coran pendant laylatul qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui est là qui pour informer toi qui était Laylatul Qadr? Laylatul Qadr est khayrum min alfi shahr. Laylatul Qadr est meilleur qui mille mois. Donc, ça c'est trois ayats du Coran. Concernant le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Nazalat suhufu Ibrahim awwala laylatin min shahri Ramadan. Souhouf Ibrahim, livre qu'Ibrahim t'a gagné, ça tu descends première nuit, le premier nuit Ramadan. Ça tu descends le premier nuit Ramadan. Wa unzilati Torah les 7 madaina min Ramadan. Quant à Torah, il finit être révélé le 6 nuit qui finit traverser dans Ramadan. Wa unzila l'injil les 13 مضت من رمضان quant à Injil il s'est révélé le 13 nuit qui finit traverser dans Ramadan. وانزل الزبور ل 18 خلت من رمضان quant à Zabour il s'est révélé le 18 nuit qui finit traverser dans Ramadan. وانزل القرآن ل 24 خلت من رمضان quant à Coran il finit descendre le 24 nuit qui finit traverser dans Ramadan. Alors ce hadith là, premièrement, peut montrer nous tout un livre finit descendre dans Ramadan. Souhuf Ibrahim, Torah, Zabour, Injil, tout finit descendre dans Ramadan à différentes dates.
quant à Coran, les fin des scènes, le 24e nuit qui finit traversée dans Ramadan. Non, mais voilà. Ça, c'est une première information, une première explication. Et deuxième explication en relation avec sa première-là, c'est qui veut dire Ramadan, Coran fin des sans, dans Ramadan, Coran fin des sans, pendant Laylatul Qadr, et qui ne tout connaît Ramadan, Coran fin des sans pendant 23 bonnes années. Coran fin des sans pendant une période de 23 bonnes années. Alors, quand vous avez parole de Salaf, l'Ola ibn Abbas, radiyallahu anhu, et les autres, ben, sahaba, ben, ulama, alors, je vous explique qui veut dire Coran fin des sans dans Ramadan. Je vous explique qui veut dire Coran fin des sans dans Ramadan. Qui veut dire ça? C'est-à-dire Coran fin des sans depuis l'Awh al-Mahfoud jusqu'à premier l'échelle. Pendant sa nuit, qui appelle Laylatul Qadr, là. Ensuite, depuis là, les fins descendent vers l'échelle, et déjà, tigit par tigit. Nous, gars, parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, les dit, unzil al-Qur'an, jumlatan min al-dhikri, salamatoum. Unzil al-Qur'an, jumlatan min al-dhikri, fi laylati 24 min Ramadan. Qur'an, un descend au complet, depuis Al-Dhik, Allah al-Mahfoud, la nuit 24 dans Ramadan, 24e nuit dans Ramadan. Faju'ila fi Bayt al-Izza, et fi une place li de Bayt al-Izza, et déjà, d'après les autres places, explication, une place de l'eau premier, l'échelle de place. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit, Unzil al-Qur'an fi laylat al-Qadri, jumlatan wahidatan ila sama'i dunya. Un seul coup du Coran au complet, fin des sans, pendant les lettres le Qadr, les fin des sans, les fin vina, Allah t'a fait mettre l'échelle qui est déjà plus près avec Dunia. Vous voyez, cette échelle, Allah t'a fait faire le Coran des sans depuis septième échelle jusqu'à première échelle, les lettres le Qadr. Ensuite, Ibn Abbasia. وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعضه في إثر بعض. Ensuite الله سبحانه وتعالى depuis premier échelle est descend le Coran, il fait arriver le Coran et déjà bout par bout un après l'autre le sou rasoul le Muhammad صلى الله عليه وسلم le place Ibn Abbas dit ثم انزل بعد ذلك بعشرين سنة. Ensuite après sa première événement, au Coran fin des sans, depuis l'Awh al-Mahfoud jusqu'à première échelle, depuis première échelle, fin des sans le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant une période de 20 bonnes années. At-Tabari lui dit فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْلَوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. At-Tabari, ben premier, Mufassir. Coran, qu'il fait moi l'année 310 Hijri, l'Ijia, Allah Ta'ala, il fait mention qu'il fait que le Coran fin descend pendant Laylatul Qadr depuis Allah al-Mahfoud jusqu'à première échelle. Jusqu'à première échelle, c'est ça qu'appelle le Coran fin descend pendant Laylatul Qadr. C'est ça, ça événement là, fin en a lieu. Pendant Laylatul Qadr, ensuite déjà, Mishan Ramadan, Laylatul Qadr, Ramadan, ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه. Ensuite, depuis là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, fin des sans, fin révèle le Coran, le Muhammad صلى الله عليه وسلم, d'après, déjà, c'est qu'Allah ta'ala, fin ou les révèle, fin ou les révèle, déjà, un événement. Ben ayat Coran d'après ben événement ben circonstance comment Allah subhanahu wa ta'ala finit les révèle. Donc ça c'est une deuxième explication. Une deuxième explication. Premier, Coran fin des sans dans Laylatul Qadr. Deuxième, qui veut dire Coran fin des sans Laylatul Qadr? Coran fin des sans Laylatul Qadr veut dire l'entrant Allahul Mahfouz fin des sans jusqu'à premier l'échelle.
Et depuis premier l'échelle, fin descend l'eau du nia pendant une période de 20 bananes, mais j'ai 23 bananes si nous prend premier la révélation qui fin descend. Alors, basant l'eau là, on va finir expliquer trois différences principales qui est là entre Coran et les autres bandits. Qui sont trois différences principales là, ça? Hein? Coran, fin de san, bout par bout, tandis que dans les autres livres, fin de san, un seul coup. Ça, un deuxième, Coran, fin de l'inabrose. Inabrose, tout. Ok, ce qui me concerne nous ici, veut dire, il y a une petite chose confirmée. Coran, fin de san, bout par bout. Coran, pan de san, un seul coup. Coran, fin de san, bout par bout. Alors, qui s'agisse derrière ça? C'est, d'après Ban Ulama, ces trois sagesses principales. Ces trois sagesses principales. Numéro un, c'est pour renforcer les cœurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il traverse un moment difficile, l'eau la terre, il traverse un moment difficile. L'eau sa la terre. Alors, quand il ne traverse pas un moment difficile, Allah subhanahu wa ta'ala descend un ayat. Comme pour réconforter, pour remonter, pour donner une bonne nouvelle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une bonne raison. Une bonne sagesse qui fait Allah fin descend le Coran, bout par bout. Numéro un, pour renforcer les cœurs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce travail que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire. C'est un travail bien difficile pour faire da'wa. C'est un travail bien difficile. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin descend le Coran d'une façon qu'à chaque fois le Coran peut descendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi peut gagner. Et à chaque fois que le Coran peut descendre, alors c'est une façon à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les soulas Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une première sagesse. Ben, l'ulama fin dit, bah, zolwa et Coran, quoi, vous trouvez. Une deuxième sagesse, c'est pour faciliter mémorisation Coran. Pour faciliter mémorisation Coran, Allah ta'ala fin descend, ça livre là. Un livre pour qui, Jimon, apprenne par cœur. Alors, le Coran, peut descendre, tchiboud par tchiboud, veut dire, Jimon, d'apprendre, tchiguit par tchiguit. Et ça, il y a une facilité, et en même temps, il y a une leçon pour nous tous d'apprendre le Coran et d'apprendre n'importe quelle chose. N'importe quelle chose, quand on apprend quoi, l'exemple qui est clair pour comprendre. Un démon, il prend depuis le grand matin qu'il est levé, jusqu'à soir, il va dormir, 5 minutes, 10 minutes, il prend ses affaires et il met sur la bouche. Il mange ses affaires, quoi. Il est capable de rester manger jusqu'à soir. Après, il n'est pas bon. Mais un jimon, il n'est pas bien manger, non. Un seul coup de quoi, il met un deck briani, il avale ça. Impossible. Il n'est pas capable d'avaler ça. Alors, comme ça même apprendre, qu'il y a quand nous pouvons apprendre le Coran, nous pouvons apprendre l'école aussi. Quand nous apprenons, nous apprenons tchikit, il est facile. On apprend ça aujourd'hui, on fait à l'école aujourd'hui, réviser, faire des voix aujourd'hui même, et finir de comprendre aujourd'hui même. Et ça, on peut s'envoyer, comment dire, un du bois pour un du bois, au lieu qu'il y ait un seul coup pour bien s'envoyer sans du bois, on n'a pas pour capable. Alors, pour un aussi, nous apprenons tchikit, Inch'Allah, nous pouvons faire facile. Au lieu qu'il y ait du monde, on apprend tout un seul coup. Pour Coran et les autres connaissances aussi quand on vient à l'école, comme un enfant vient à l'école, apprendre depuis le commencement de l'année, tigit par tigit, ça pour faciliter. Ça c'est un deuxième sagesse. Troisième sagesse, c'est afin que dans le Coran, nous ayons ce qu'on appelle un nasir ou mansour. Un nasir ou mansour, comment nous finissons apprendre la loi, il descend, ensuite, les suivis par l'autre la loi. Qui finit pour abroger sa première la loi là. Ça, il y a ça dans le Coran. Il y a dans le Coran, il est clair que dans le dîn Allah, il y a ce qu'il appelle un nasir ou un mansour. Et ça, quelque chose à chaque fois, nous attire l'attention là.
Ben juif, ben chrétien, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas accepté la circoncision qui fait. Parce que, en gros, quand nous disons, mais à un moment donné, le dîme de Moussa, c'était sa même dîme Allah. Le dîme de Isa, c'était sa même dîme Allah. Mais ensuite, quand le dernier prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec le Coran, alors tout fin abrogé, bizarre, retourne vers le dernier livre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah Rabbul Alamin, fin met ça, même jusqu'à le Coran, quand ben, la loi fin descend, et ben, la loi fin descend au commencement l'islam, ensuite ça fin à abroger, et dire, et si le Coran, tu descends un seul coup, pas de point là, il y a un là-dedans. Alors, Allah Ta'ala fin nous les, ce Coran contient un nasikh mansoukh, alors fin descend li, bout par bout. Dans le Coran, Allah Subhanahu wa Ta'ala le dit, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فان كيف يكف فان في نجية كيف يسا قرآن باشي دي سان ان سلفوا فان كافر بجية كيف يسا قرآن باشي دي سان ان سلكت لا 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 تلا جية كذلك لنثبت به فؤادك سي كوم سا كي نو بيغيفيلي اي بوت با بوت لنثبت به فؤادك افا كي نو غافيميا توليكي بيجيا نو في توليكي بين فيم كوت اي جان جيمون ني كاباب لي توشي بان سيتان فيبليس لي توشي بان سيتان ديكوراجمون على الله تعالى في نسان القران تيبوت با تيبوت لو محمد صلى الله عليه وسلم وجاء لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغس تزو فيم ورتلناه ترتيلا انه في الغسيت لي اتوا افيك ترتيل وجاء بوسيما الله تعالى في نسان القران تيبوت با تيبوت بس الله تعالى جاء وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل القرآن نفن ننفن سو ننفن لي بون ايفانجيل ودي نبان ديسان ان سيل كوت نون ديسان ان بوت ابران جاما نوت بوت ابران جاما نوت بوت الو سي دون سا بانسون لا كي نون ديسان سا لو بانجيمون على مكتين نون ديسان لي ودي avec tout le prend tout le temps nous pas descendre lit nous pas presser pour descendre lit nous descendre lit et déjà descendre lit avec posément nous prend le temps nous descendre le Coran wa nazzalnahu tanzila et nous fin descendre lit nous fin révéler lit à toi alors ça déjà ma étape prouve Allah Ta'ala fin descendre le Coran lo banjimon pour quoi dire il donne l'insan le temps pour absorber ce qu'il y a dans le Coran pour qu'il se comprenne ce qu'il y a dans le Coran et troisième Suyuti il dit wa qala ghayru innama lam yanzil jumlatan wahida li'anna minhu an-nasikh wal mansukh et nous savons dire le Coran pas descendre un seul coup il descend bout par bout un peu avant ça c'est ce qui Coran, il y a un livre, Allah fait un décret qu'il faut contenir un nasikh mansour. Il faut contenir un nasikh mansour. Il y a la loi pour descendre, ensuite la loi pour descendre pour abroger. Ou bien même une lecture en descendre, parce qu'un âme, un âme même, nous ne pouvons pas prendre là-dedans. Nous ne pouvons pas prendre dans sa leçon qu'il nous peut faire là. Quand nous pouvons dedans, nasikh mansour, quand nous prenons un chapitre, tafsir. Il y a même un ayat Coran qui, c'était, tiens, ayat Coran, aujourd'hui, il n'est plus un ayat. Aujourd'hui, il n'est plus un ayat, mais sur la loi est restée. Sur la loi fait rester. Vous voyez qui est abrogé là? Sur lecture est abrogé, sur la loi est restée. Sur lecture est abrogé. Mais il n'y a pas de droit lié à ça dans le salat. Il n'y a pas de droit lié à ça dans le salat. Il n'y a pas dans le Coran. Mais les sahabas qui connaissent, les sahabas qui connaissent, et sur la loi est toujours resté alors là fin décret qui Coran les points lire qu'il y a un nasikh mansoukh à ce que dire ça ben c'est un ou la fin dire c'est à cause que Allah Ta'ala fin de son Coran par un sagesse pas de son lien seul coup il de son tigit par tigit il dit voilà il y a ta'atta d'alik illa fi ma unzila mufarraqa alors pas possible il y a un nasikh mansoukh d'un livre excepté s'il peut de son bout pas Pas bout. Alors, ça, c'est nos troisième explication à Zoul. Quatrième explication, c'est première révélation, le Rasulullah
محمد صلى الله عليه وسلم. Première révélation, le Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le canobouguet de hadith, une dimension, première révélation, le Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui sera? Iqra, Iqra. Ça, c'est une source qui est clé dans Bukhari. Et nous avons un ça est rapporté par Aïcha, nous avons un hadith qui est rapporté par Jabir radiallahu anhu. L'énergie première qui fait descendre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Alors, est-ce que, comme il y a un homme qui est malade, qui est bougé, il y a une contradiction dans le hadith. Tandis que nous disons, c'est une des choses qui nous regarde, une contradiction. Nous disons, mais il n'est pas possible, une contradiction dans le hadith. Possible, le sahabi ne fait rien dans l'information qu'il peut donner. Est possible, pena ni erreur ni contradiction, ce qui était un la perspic, un kit source, la perspic, un le kit source. Comment nous trouvons ça, ça cale. Hein? Et Aïcha peut dire, radiallahu anha, première lettre qui finit de descendre, Iqra, tandis que Jabir ibn Abdillah peut dire, première révélation, le Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ya ayyuhal muddathir. Alors, il y a pourtant, nous connaissons ça comme un exemple. Demain, quand quelqu'un peut cause contradiction de la Coran, peut cause contradiction de hadith, nous avons un exemple. Aïla, c'est comme ça qui, c'est-à-dire, on peut croire en la contradiction, pas en la contradiction. Alors, Aïcha radiallahu anha, il dit, quand on a vu le Abihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ru'ya as-sadiqa fi an-nawm, fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi. Il dit, commencement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais déjà, son commencement, avant lui, le prophète, qui finit de commencer, là? Aïcha dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il commence à faire un rêve. Il commence à faire un rêve. Et quand arrive le matin, ensuite, rêve-là, il est réalisé, comme on dit, le matin, au clair, comme ça, quelque chose qu'il est rêvé, arrive ça même. Quelque chose qu'il est rêvé, arrive ça même. Ça, c'est une étape que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut traverser pour ça. Il peut trouver quelque chose, comme on dit, il peut émerveiller, il peut trouver quelque chose, comme on dit, ce qu'il peut rêver, arrive ça même, ce qu'il peut rêver, ça peut arriver ça même. Alors il peut trouver quelque chose là-dedans. Ensuite, Aïcha dit, Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Ensuite, il finit content pour qu'il isole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit content pour isoler. Fakana yalhaq bi ghari hira. Alors il se dans la cave qui était hira. Dans la cave, la montagne. Après sa montagne, il appelle qui était Jabal al-Nur. Dans la cave, fayatahannathu fi. Il se fait ibadat là-bas. Il se fait ibadat. Allah ibadat là-bas. Al-layaliya dhat al-adad. Pendant plusieurs années, il reste là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans la cave Hira, il passe plusieurs nuits là-bas, il reste là-bas même, parce qu'il comment dire, quand il peut ça l'environnement de Makka, l'idolâtrie, plus l'immoralité, il quitte tout, il a le montagne. قبل أن يرجع إلى أهلي فيتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها. Et il passe une certaine nuit, il prend sa provision, quand sa provision est finie, il retourne vers Makka, que ce madame Khadija. Ensuite, il prépare une certaine provision. Il remonte la montagne dans la cave Hira. Il est là-bas. Il peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le créateur. Alors, il dit Hatta faj'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira. Est-ce qu'il soudainement, il finit trouver devant Jibril alayhi salam. Il fait une trou, on va dire la vérité devant lui, dans sa cave là. Faja'ahu al-malaku. Ange, fin vin béali, faqal iqra, Jibril, fin vin, kut Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la cave Hira, il dit à lui, faqal Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ma'ana bi qari, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un djimoun qui connaît, il n'y a pas un djimoun qui connaît, et ça c'est qui était. Et bref, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un vrai prophète, parce qu'il n'est pas connu ni lire ni écrire.
et tout ce qui est fort. Nous, il n'y a pas qu'à avoir gagné sa part, apprendre pas ici pour là. Il n'y a pas qu'à avoir gagné sa part, apprendre pas ici pour là. Il nous a gagné ça à travers révélation. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. Le prophète dit, Jibril fait une trappe-moi, il sait à moi ce qu'a comme dit à mon n'est plus qu'à partir. Ensuite, il l'a moi, ثم أرسلني فقال اقرأ. Déjà, il dit, quand il l'a moi, il dit à moi, lire. قل ما أنا بقاري. Le prophète dit, vous parlez de lire. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغني بلغ مني الجهد ثم أرسل فقال اقرأ. L'insémoine des jambes, les larmes, les régimes, et facultumana de corps, mon régime ou pas connu, faakhadani, faakhadani à thalita. Une troisième fois, l'inprama, l'insémoine, hatta bala rabin il jum, escakimon neplica parchini, thuma arsalani, faqal, ikara, bismi rabbika, ledi, khalak, khalakal insana min alak, ikara, wa rabbukal akram, ledi, allamabil. بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هلو كاليفين لوغلي أبري تخواجم فوا جبريل فين ست سبع آيات لا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم سنقم آيات دان سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق لي لو نو دي تراب كيفين كريتوا خلق الإنسان من علق لين كري إنسان أبوتيا وإن كايو ديسان اقرأ وربك الأكرم لي ترب لي الأكرم الذي علم بالقلم في نوسين أتغابي لا بلوم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بواديره حتى دخل على خديجة. البروفيت صلى الله عليه وسلم من ترامبلي لنغتوني وإن سبي دي بلابا لفين غانت كنت خديجة فقال زميلوني إجا كوبي أموا البروفيت صلى الله عليه وسلم نجاين بير كيت صوز كي فين عريبي كيت صوز كي سامي لفين تموين سالي فين جاين بير حتى ذهب عنه الروع وانا فين كوبي لي زسكا كي كما ديا سلافرية فينالي. فقال لخديجة أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر إذا دسمو ولا لبيع لنزيد كوفيا لكوفيا أرسلت رسول أفريقيا فين علي لنكلمي إذا أو خديجة مبيع attention إن عريمو أكيد صوص أو خديجة مبيع attention إن عريمو أكيد صوص لا لفين راكونت خديجة c'est qui finit arrivé. Le film raconte Khadija c'est qui finit arrivé. قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوابل الحق. خديجة جاء سمال والله ألا نبابو إميلي أو أنجمونكم أو tout le temps ou bon relation avec ou ban proche ou cause vraie veut dire ouais ban jimoun ban qui dans difficulté et ban jimoun qui comme dire étranger ou dans autre quoi hospitalité veut dire ou toujours un bon jimoun comme ou impossible arriver un mauvais qui chose. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقته ابن نوفل وهو ابن عم خديجة. Et Khadija fin prend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'amène écoute son cousin Waraqa ibn Nawfal wa kana ibra'an tanassara fil jahiliya et un djemoun, un arabe qui finit à accepter le christianisme dans l'époque de jahiliya wa kana yaktubu le kitab al-arabi wa kana wa yaktubu l'injil bil-arabiya et un djemoun qui s'est écrit un livre dans le passé من ليف سيلست اللي تيكريا إنجيل أنا غاب وكان شيخا كبيرا قد عمي لتنجمون كي دان لاز يتفيني من عفق لتنجمون دان لاز اللي تفيني من عفق. فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. خديجة جاء أسو كوزان أو كوزان اكوت كوزان جاء اكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كيلي رابو خاكونتوا. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. الكورقة في الدمان ينجمون
إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لبروفيل إسبيكلي فقال ورق هذا الناموس الذي أنزل على موسى إجابة سامم كيف إندسان سأنزل سليمم كيف إندسان لموسى عليه السلام سليمم كيف إندسان كيف إندسان لموسى عليه السلام ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا ذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم ورقة ابن نوفل جية سيسلما موتشينا كوغا سيسلما موتشيبو vivant quand ban la wadia pour décide pour tia toi depuis ici سيسلما موتشي vivant quand ban la décide pour tia toi depuis ici ouais موتشي pour la pour support toi là le prophète sallallahu alayhi wa sallam ban la pour tia moi depuis ici ban la pour tia moi depuis mon endroit le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ça qui sort. Comment est-il possible ça? C'est-à-dire, il y a un djimoun qui, tout djimoun au noli de Makkah. Tout djimoun au noli de Makkah, je prends quand même une référence. Et je dis, les perpannes, ça même man habite à Makkah là, pour mettre en dehors Makkah. Les dire, est-ce qu'il y a un poutier? Les demandes de Waraka. Il y a un poutier à moi depuis ici. Waraka dit, n'aam, l'am y'a des rajoulun, bima j'ai tabi illa oudi. Il dit, pena, oui, banna pouti à toi, pena personne qui ne vient avec ce qui te vient, excepté qui banna, qui dit mon fin oppose, dit mon fin apo, et dit tout. Chaque prophète qui vient, les fin gagne problème, l'eau salatia là. Ou en yu drikni, yaumaka, yaumuka hayan, en souluka nasran muazzaza. Voilà, c'est comme dire, ça me soigne, ça banzoula, me pour donner toi au support pleinement. Vous donne toi vos supports pleinement. Aïcha dit l'am yen besh waraka en tout fia fatra le wahyu fatra ten hatta hazina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, événement là, un petit moment encore, un petit période même après waraka fin mot wahi pandesan pendant certains moments et jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'iti, va dire, l'espé vivre avec dans chagrin. C'est qu'il est arrivé, les platanes, quoi dire, petite sauce pour descendre encore, les platanes pour Zanjibril alayhi salam encore, mais papé arrive, non. Alors, ça, c'est événement, un hadith qui est dans Bukhari, un hadith qui est connu dans le commencement Sahih Bukhari même. Alors, les clés, comment Wahifin commence à descendre le Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là-dedans, on trouve clairement. Zissa événement là, commencement, révélation Coran, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prouves qui brillent lui jamat, c'est ben, bandimoun loin de l'islam. Qui fait? Parce qu'il brille lui jamat, je dis, les prophètes t'y désaccordent le Coran. Les prophètes, ils t'y désaccordent le Coran. Pas si t'y désaccordent le Coran. Les prophètes, c'est le Coran de Jibril. Les qui n'enseignent Jibril le Coran. Correct. Là, il y avait qui lui avait bien le rôle ici, il avait zé ceci là, il pas qu'on lire, et qui avait été lié, il montre Jibril, lui qu'on le courant là au complet, il n'y a pas qu'on lire, c'est Ali, il n'y a pas qu'on lire, c'est Ali, il n'y a pas qu'on lire, les gars, ils tremblaient, ils rentrent contre son madame, ils disent, couvrez-moi, qui lui fait rôle avec son madame. Prends les amis, quand Waraq ibn Nawfal, Waraq, il demandait, ben là, tu expliques-lui, il dit, ben là, pour tirer moi depuis ici, mais tout cela qui lui avait bien le rôle ici, il avait fait un film ici là, lui. Alors, ça c'est digne de Wambele, Brelui Jamal. Pour autres, les prophètes qu'on rêve, les prophètes Tianour, les prophètes Titouzou qu'on Coran, ça, tout ça c'est ma conception couf. Tout ça c'est ma conception couf. Nous nous disons, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien à doute, il finit être choisi comme le dernier prophète. Et déjà, Allah Ta'ala finit pas ça. Il choisit avant création les ciels et la terre. Mais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas qui permet de renouveler, il utilise le Coran, il peut faire croire, il n'est pas contre le Coran, ça c'est une petite chose qui est fausse. Alors ça c'est le premier hadith qui fait cause concernant révélation, premier révélation. Quant à Jabir radiallahu an, rapporté par Abu Salam al-Ija, Sa'altu Jabir ibn Abdillah, ayyul Coran unzila qablu. Mon fils de Man, Jabir ibn Abdillah, qui porte le Coran, fin de sang, quoi, déjà, en premier,
qui, première révélation, قال يا أيها المدثر. جابر في الجيه يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ. أبو سلمة جاء pas اقرأ كين ديسان بريمير. قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجاتان vous pouvez expliquer toi ce qu'il est revenu expliquer nous. جابر جيا vous pouvez expliquer toi vous pouvez rapporter toi ce qu'il est prophète indien nous. جاورت قال جاورت بحراء شهرا. جابر جيا للبروفيت انجيا للبروفيت جيا موتي ريس دون كوتي حراء دكار في رابوندا ان موا. فلما قضيت جواري نزلت كام انتيا من سا جا ان بيريود كي موتي لابا وبدي سان اي فس تب طنت بطن الوادي. Quand on arrive, comme on dit, dans fond vallée, déjà en bas. Et on est puis là-haut, on vient dans fond. Enfin, nous, on dit tout. On donne qui gagne une promo. On donne qui gagne une promo. Enfin, on voit tout à mamie, ou à khalfi, ou à yamin, ou à chimali, enfin, on aura à hadan. Quand on guette pas devant, pas derrière, droite, gauche, on va trouver non, on va trouver non, on va trouver personne. Enfin, nous, on dit tout. Un deuxième coup de film promo, puis on appelle moi. فنظرت فلم أرى أحدا. بون كيتي وباتروف دوني. ثم نوديت. إي نغيابيل موا. مو بيكيت بو ديفون موا بو ديا موا كوتي دروات كوتي غوست وباتروف دوني. فرفعت رأسي. توجم كوت إجا كان قامونو مولي مولا تيت مونديت لاو. مونديت مولي مولا تيت مونديت لاو. فإذا هو على العرش يعني جبريل بترو جبريل. باتيا لوان كوان ان ترون ان سيز كومسا. فأخذتني رجفة شديدة من جاي إكسترا بي من كومانس ترامبلي. فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني إي من سوفي ومن كنت خديجة من جاي كوبيا موا كوبيا موا فصبوا علي ماء وفيت جاي كوبيا موا ستا نشبي دي لولو لوما. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لا لا ده في الديسان يا أيها المدثر يا أيها المدثر. لا نتروف عائشة بيجان كتسو قمي ريبيلاشون جابل بيجان أن كتسوز كم قمي ريبيلاشون عائشة بي راكونت أن إيفنمان جابل بي راكونت أن إيفنمان تول دي إيفنمان فري تول دي إيفنمان فري كوتيريا سكي جابل. Ce qu'il pense comme premier, c'est pas ça premier qui fait, comme un autre riwaya qui nous peut citer, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Première révélation, c'est Iqra, il n'y a doute là-dedans. Après sa première révélation, il y a une coupure de révélations. Quran, pas Tibédissan. Quran, pas Tibédissan. Jusqu'à comme Khadija Bédia, Aisha radiallahu anha Bédia. Le prophète peut vivre dans tristesse. Le prophète peut vivre dans tristesse. Il est content quand, après quand il finit par qui. Jibril alayhi salam vient aller avec révélation. Il peut attendre qu'il soit, mais pas non. Alors, dans ce moment-là, c'est ça, après ce moment-là qu'il a traversé, c'est la même qui peut arriver cet événement de Jabir là. Arrive cet événement de Jabir. يا أيها المدثر في الديسان كم بريمي ريفيلاشون أبري سا بريمي ريفيلاشون أبري سا كوفيو لا هنا يا أيها المدثر إي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ثم فتر عن الوحي فترة ensuite وحي با في الديسان لو ما بعد المومن. فبين أنا أمشي pendant qu'il m'obémasse سمعت صوتا من السماء منتنا لا والو لشيل فرفعت بصري كم ليمو ليمو مو 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 غيقام وبقيت لا أقيب على السماء وبقيت بها لشيل. فإذا الملك الذي جاءني بحرة قاعد على كرسي كم ليمو لاو من تروف سأنج كتبين كنت موادا حرة بجا كتلا sa deuxième, quand il trouve Jibril, l'eau en 16, au milieu de l'échelle, c'est la première fois qu'il trouve, il y a deuxième fois là. Deuxième fois, il dit, on trouve sa ange là,
qu'il divine vers moi dans la cave Hira, Bein Sama et Wal-Ard, les persises, loin de 16, en l'échelle des élatés. Mais j'ai clair, tous les deux événements vrais, et tu les trouves dans Bukhari même, et peine à contradiction, et nous avons déjà peine à errer aussi, Aïcha raconte à lui depuis le commencement, Jibril, Jabir, radiallahu anhu, a dit, l'inal confond, bien qu'il soit le gouma, l'inal cite sa deuxième révélation là comme première révélation. Ensuite, nous dit, si toutefois nous trouvons Jabir qui fait un erreur, c'est un erreur. Insan, faire erreur, mais il n'y a pas de sens dans l'islam. Il n'y a pas de sens, non, dans sa vie événement-là, tous les événements, c'est des événements authentiques qui finent arriver, des événements qui connus. Ça, c'est la première révélation. Dans Makkah, quant à Medina, Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, « Wattafaqu ala annaha madaniya wa anna awwal suratin unzilat biha » Mon savant, je finis tombe d'accord, qui Sura Baqara, c'est une sura qui descend de Medina, et c'est sa même première sura qui descend de Medina, et c'est sa même première sura qui descend dans Medina. Alors, pour ça, nous trouvons première révélation, c'est Iqra, Yahya al-Muddathir, ensuite il finit consigné descend. Quant à Medina, Ibn Ulama dit la première révélation, première sura, c'est Sura Baqara. Quant à dernière révélation.